Salut tout le monde, c'est Thibaut de Guitar Plug and Play, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, puisqu'aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. Je vais partager avec vous l'interview que j'ai eu l'immense chance de pouvoir mener avec Jean-Claude Rapin et Fred Chapelier, qui sont deux des plus grosses pointures de la guitare française. Je tiens vraiment à adresser un immense merci à toute l'équipe de Station Musique. Je pense notamment à Christophe, Manu, Arnaud et François, puisque c'est eux qui ont organisé l'intégralité de l'événement et qui ont eu l'extrême gentillesse de me laisser mener cette interview. Donc les gars, je vous en suis vraiment super reconnaissant, j'ai passé un moment magique. J'étais comme un gamin là à côté de ces deux monstres sacrés. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre de goûter un petit peu à tout ce que Jean-Claude et Fred nous ont partagé. Dans cette interview, Fred et Jean-Claude vont notamment nous parler de leur philosophie du son et nous montrer à quel point tout se passe dans leurs doigts. On va avoir droit à des plans blues exceptionnels de Fred, une démo de violoning de Jean-Claude qui m'a littéralement scotché, je crois que j'en suis toujours parmi. On va parler un peu de matos, de toucher de guitare, et surtout le message principal que tous les deux voulaient vraiment nous faire passer, c'est que la musicalité et le son doivent toujours rester au premier plan. Pour que vous puissiez profiter au maximum de leurs conseils, j'ai sélectionné 5 plans que j'ai trouvés vraiment sympas et abordables, et je les ai transcrits en tablature. Elles s'afficheront pendant la vidéo, en même temps qu'ils vont les jouer, et vous pourrez évidemment télécharger la tablature en version PDF sur le site de Guitar Plug and Play. Pour ça, il vous suffit de vous inscrire, et vous avez les liens dans la description de la vidéo. Sur ce, je vais vous laisser profiter de Jean-Claude et de Fred, et on démarre tout de suite l'interview. Première question, vu qu'on est en tout début de soirée. Est-ce que vous pourriez nous dire la première chose que vous jouez quand vous attrapez votre guitare? Parce que je pense qu'on est tous pareils, on a un peu ce réflexe quand on prend notre gratte. Moi, c'est du Fred Chapelier. Parce que vous avez quand même un monsieur incroyable. Moi, je l'aime beaucoup, hein, tout simplement. Et effectivement, je vais répondre à ta question. Alors, c'était la joke de début de soirée. Simplement, moi, je prends une guitare et je fais quelques notes. Ça, simplement, j'aime bien voyager avec l'instrument. Parce qu'effectivement, au-delà de la technique, on peut s'échauffer, certes, hein, on peut montrer des choses en termes d'échauffement, mais émettre des sons, c'est important. Donc moi, en ce qui me concerne, j'aime bien entendre. Parce qu'on dit que la musique, c'est l'art des sons, donc ça passe par l'oreille, et se faire plaisir à l'oreille, tout simplement, et peut-être voyager avec ça. Mais, en fait, moi, c'est un petit peu, ça rejoint ce que tu es en train de dire, Jean-Claude. Quand je chope ma guitare le matin, c'est vraiment pour faire des notes, mais essayer de faire des notes qui soient belles. Travailler, toujours travailler. Si on fait des notes, c'est pour que... Bon là, en l'occurrence, on est seul chez soi, mais ça rejoint aussi ce qu'on fait après, ce soir, ou sur scène, ou sur un album. Si on fait des notes, c'est pour que les gens les entendent. Donc j'essaye toujours et encore d'améliorer la qualité des notes, le toucher. Voilà, donc je travaille... Si je prends ma guitare, c'est pour travailler le toucher, d'une manière générale. Toujours et encore. D'accord. Est-ce que... Il y a une question ? Un exemple, tout simple. Je pense même pas gamme, tonalité ou quoi que ce soit. Je prends la guitare et je travaille. Vous voyez ? N'importe quelle note, il faut qu'elle vive, quoi, cette note. Tout à l'heure, je vous parlerai de trois éléments essentiels, mais... J'aime bien peaufiner toujours le vibrato, qui est un des trois éléments essentiels. Le vibrato, donc je fais des notes comme ça, tout ça. Vous voyez, sans réfléchir. Que ça soit joli, en tout cas à mon oreille déjà, pour que ça puisse éventuellement l'être aux oreilles des autres. Alors je me permets de rebondir sur ce que tu viens de faire, Fred.
Parce que là, je vois que tu as une technique un peu spéciale. Tu joues au doigt, mais tu bloques ton médiator entre l'index et le pouce. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que peut-être que tout le monde ne savait pas qu'on pouvait mixer les deux techniques comme ça quand on joue. En fait, on appelle ça le jeu hybride. C'est-à-dire que je joue jamais à 100% en médiator. Je pourrais le faire, je l'ai fait pendant très longtemps. Par exemple, un plan tout simple. Là, je fais tout médiator. Mais en fait, moi, je vais soit coincer le médiator ici et jouer au pouce et avec ce doigt-là, le majeur. Je ne sais pas si vous allez entendre la différence, normalement vous devriez l'entendre. Je refais au médiator. Est-ce que vous entendez une différence ou pas? C'est quand même assez net. Vous voyez, le fait d'utiliser les doigts apporte un côté vraiment plus chaleureux. Si je joue au pouce comme ça, sans trop appuyer, ça va faire ça. Un peu plus feutré, vous voyez. Médiator. Pouce plus majeur. Oh. En fait, j'ai une technique qui consiste à beaucoup slapper, quoi. Ouais. Slapper les cordes. Aller la tirer, mettre mon doigt en dessous de la corde et la claquer. Pareil pour ici. Donne quand même une différence par rapport au médiator. Il y a une plus grosse attaque, mais avec plus de chaleur en même temps. Et à force de jouer comme ça depuis pas mal d'années maintenant, j'ai trouvé plus de précision dans le jeu en jouant comme ça, en tout cas. Mais il m'arrive aussi de mélanger médiator et doigt. Vous allez encore avoir un autre son. Vous voyez, si vous voulez d'un seul coup que ça soit plus agressif dans le son, vous vous rapprochez des pontés là. Vous voyez, ce sont les mêmes notes, hein, sauf que le fait d'avoir une approche différente change considérablement le son. Et c'est essentiellement ce que je travaille depuis 10 ou 15 ans. Constamment. L'attaque, voilà. Et je pourrais approfondir un petit peu tout à l'heure, mais je fais rarement, même les rythmiques, je les fais rarement au médiator. J'ai un morceau sur mon avant-dernier album qui fait... Mais en fait, il se joue au doigt. Et vous allez voir, ça fait une différence. Et je trouve qu'on a un très très grand contrôle du volume avec les doigts. Presque rien. Là où c'est plus dur avec le médiator. Moi j'ai beaucoup plus de mal en tout cas. Vous voyez, j'aime ce côté percussif. J'ai commencé par la batterie avant de faire de la guitare. En 1873 j'ai commencé. Et ce côté percussion m'est resté en fait. Et j'adore ça. Rythmiquement, on doit être bien dans le tempo, toujours calé, toujours carré. Et j'aime ce côté percussion. Reste là,
pris au piège et j'utilise le pouce et les deux doigts du milieu. Voilà. Voilà. Ou médiator, plus les deux doigts. Mais je ferai jamais tout au médiator. Ça marche, mais c'est juste un choix de ma part, quoi. J'adore jouer aux doigts. Voilà, c'est vraiment un jeu hybride. Constamment en train de changer. Je vais faire quelque chose, je vais faire une petite grille en sol mineur et comme ça, Fred va vous donner quelques exemples. Alors, c'est une grille non pas très évoluée, mais c'est un blues tranquille avec un accord au lieu en plus. C'est très simple. Et comme ça, il va pouvoir vous démontrer ça. Super. Super. Merci Jean-Claude. Donc, je commence tout au médiator. S'amuser à osciller entre médiator, plus doigt ou que doigt, voilà, ça ouvre déjà beaucoup de perspectives dans le son. Et même ça donne vraiment beaucoup d'inspiration, quoi. Ça change, on pense différemment quand on commence à jouer au doigt, on pense différemment. Jean-Claude, j'ai entendu qu'à un moment, tu as utilisé une technique que tout le monde ne connaît peut-être pas, qui s'appelle le violoning, où tu as utilisé ton bouton de volume pour créer vraiment une arrivée sonore qui est très douce, très fluide. Est-ce que tu pourrais nous en toucher un mot? Et Fred, bien sûr, tu veux intervenir aussi, parce que je sais que tu maîtrises la technique, n'hésite pas. Ce que j'aime bien, personnellement, effectivement, c'est les surprises sonores. Donc le violoning en fait partie. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de me retrouver, étant un peu plus jeune, mais bon... même d'un âge relativement mûr aussi, avec Yngwie Jim Hansen. J'étais impressionné quand même par ce guitariste, parce que déjà il a un jeu de guitare et un charisme impressionnant. Bon, déjà il fait quand même style 1m94 et un certain nombre de kilos. Bon, à l'époque il était un peu plus mince, mais il était quand même, on va dire, assez gigantesque. Et surtout le toucher de ce gars-là, et de temps en temps, effectivement, aussi du violon, il faut bien le remarquer, et ça ne vient pas de lui, mais c'est une expression, une expressivité dans le jeu. Et effectivement, la technique, alors, par rapport à certains instruments,
on va pas faire ça avec toutes les guitares, hein. Mais ça permet une expression. Et la technique très simple, c'est d'avoir une attaque, d'attaquer la note, puis après, effectivement, d'amener progressivement avec le bouton de volume, donc cette note, et d'avoir un effet, donc, de par ce nom, de violon. Je vous ai deux, trois exemples. Hein. Donc, sous-entendu, en fait, que quand tu attaques ta note, tu as le volume coupé sur ta guitare, hein. C'est bien ça. Plaisir, celui-là. Bravo. Sans trop rentrer dans les détails techniques, Jean-Claude, est-ce que tu pourrais juste nous donner un petit conseil pour ceux qui aimeraient essayer la technique au niveau du placement de la main droite sur le potard, ce qui n'est pas forcément évident. Moi le premier d'ailleurs, ça m'intéresse. La Stratocaster Plus, donc modèle 1988, en l'occurrence pour celle-ci. Non, tout simplement, c'est vrai que sur une strato, c'est bien pratique. Bon, je pense tout simplement avoir la même chose d'habitude de pouvoir tenir un médiator, vous pouvez le faire avec les doigts, en jouer avec les doigts comme le fait Fred, et surtout amener progressivement ça. Je vous ferai un exemple tout simple. Vous faites une note et vous montez le son. Ça fait constamment ça à la main droite, quoi. Il rallume. Et si vous voulez être très expressif, effectivement, la main gauche, le vibrer. Il y a des guitares où ça sera beaucoup plus compliqué parce que le volume est beaucoup plus loin. Vous voyez ? Sur la strato, le volume est assez proche des cordes, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Sur la Telecaster, c'est aussi pratique. Il est un petit peu plus loin, mais c'est encore très pratique. Du coup, moi, je vais être obligé de le faire avec le petit doigt parce qu'il est un petit peu plus loin. Mais c'est faisable. Et après, si vous avez une Espaul, c'est faisable, mais ça va être beaucoup plus dur. Donc ça dépend aussi de la guitare que vous avez. Vous pouvez nous parler rapidement de votre matos, guitare ampli, nous dire un petit peu pourquoi vous avez choisi ces guitares-là et ces amplis. Alors, en fait, moi, évidemment, j'adore la Stratocaster. J'ai joué très très longtemps sur Strato aussi. J'adore la Les Paul et je continue à jouer sur ces guitares, mais je reviens toujours à la Telecaster, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment la guitare avec laquelle je me sens le mieux. J'aime ce côté un petit peu bout de bois. C'est vrai que c'est un petit peu une guitare pour lui rentrer dedans. Et j'aime ce côté rock'n'roll.
J'aime la simplicité, en fait. Voilà, un volume, une tonalité. Souvent, la tonalité, je la laisse à fond. Et je travaille énormément avec, avec les deux micros. Voilà, c'est-à-dire que je change constamment. Vraiment, dans le même morceau, je change sans arrêt de position de micro. Et c'est vrai que ça fait quand même une différence. Et ce que j'aime avec la télé, micro-manche, plutôt grave. Et j'aime le tranchant du micro aigu. Vous voyez ? Et en fonction, j'aime comment réagit cette guitare, la Telecaster, vraiment. J'aime ce côté, vous pouvez regarder tous des gens comme Springsteen, il y a plein de guitaristes, le premier guitariste aussi de Dr. Feelgood, Wilco Johnson, voilà, grand rythmicien, et ce sont des garçons qui jouaient beaucoup là, en fait, pour avoir vraiment une grosse précision et un côté assez tranchant. Et en fonction de ce qu'on fait avec le volume, évidemment, c'est vachement important le volume, hein. C'est pareil, comme je disais tout à l'heure, je change les micros constamment et le volume énormément aussi. C'est-à-dire que je vous expliquerai ce que j'utilise par terre, mais il n'y a quasiment rien. Et c'est tout au volume après, la guitare. Vous voyez ? Je ne mettrai pas le volume à fond pour faire une rythmique. Vous voyez ? Si je mets le volume à fond, ça fait ça. Pour faire une rythmique, je vais baisser un peu. Ça va clarifier un petit peu le son. Il est un petit peu moins sale, un peu plus précis. Tranchant de la télé, voilà. Et là, j'ai le volume n'est vraiment pas, il est à peu près à moitié là, le volume, voyez. Et après, si je baisse encore, je peux me retrouver avec un son clair. Si je change de position de micro, ça change encore le son. Je reviens sur le micro aigu. Vous voyez, plus tranchant, plus agressif quand même le micro chevalet, d'accord. Et ça, c'est, vous voyez, le volume va vachement changer le son, quoi. Si je le monte, vous voyez, là, je touche rien par terre, quoi. Hein. Moi, je considère que le son, il doit venir de la guitare, et c'est les doigts qui vont faire que ça va être expressif, voilà, qu'il va se passer plein de choses, constamment en changeant le volume. C'est-à-dire, je peux démarrer un blues avec très peu de volume. Par exemple, tiens, Jean-Claude, si on pouvait se faire un petit blues en do, tout le plus simple possible. Voilà, je démarre, très peu de volume, micro-manche. J'ai envie que ça devienne tranchant et agressif. Je passe sur le micro aigu et je monte le volume. Je rebaisse le volume. Vous voyez, il se passe ça. Et pas ça, quoi. Vous voyez, il faut qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de l'intensité, que ça monte, que ça descende. Vous voyez, de la dynamique. Thank you.
là, j'ai touché à rien, en fait. C'est vraiment tout... Merci. C'est vraiment tout... avec le contrôle du volume, quoi. Je le change sans arrêt, sans arrêt. Les micros, je les change sans arrêt, dans le même morceau, dans le même solo, hein. Et voilà. Et pour qu'il y ait de la dynamique, pour qu'il se passe des choses, pour pas que ça soit tout le temps à fond, quoi. Vous voyez ? Faire respirer, faire vivre, voilà. Ok, merci beaucoup, Fred. Tu as bien parlé de ta guitare. Est-ce que toi, Jean-Claude, tu pourrais nous dire juste un petit mot sur ton ampli ? Parce que c'est vrai qu'on est habitué à avoir des Vox, des Fender, des Marshall. Et toi, tu as un modèle qui est un peu moins connu du grand public, on va dire. Tu peux nous en parler un peu ? Donc, je vais vous parler de ma guitare, la Fender. Mais tu peux aussi parler de ta guitare éventuellement, si tu veux. Alors, tout simplement, effectivement, c'est une longue histoire, surtout de... parce que c'est lié, en fin de compte, cet ampli sur lequel je joue maintenant, et la guitare aussi, hein, parce que ça compte, c'est lié au monde de l'importation. Tout simplement, il y a de nombreuses années, je rencontrais, quand j'étais tout gamin, un monsieur incroyable qui a fait beaucoup pour la musique en France, qui s'appelait monsieur Jean-Marie Gaffarel. Jean-Marie Gaffarel a été un des premiers importateurs de la musique en France. Son premier magasin, si je veux de mémoire, était à Marseille. Et donc, et je l'ai rencontré, ce monsieur, dans le premier magasin qu'il a ouvert à Paris. On se rencontre d'une manière anodine, tout ça. Je commence à jouer. Bon, bah, il me regardait avec son accent en plus, en parlant avec son accent marseillais et ses chaînes en or. Ceux qui l'ont connu, se souvenir de ce monsieur qui était incroyable. Et donc, c'était à Pigalle, un des premiers magasins de Pigalle, il y a très longtemps. Et donc, ce monsieur, il a importé toutes les marques, quasiment à l'époque. Fender, Marshall, c'était un ami intime de Jim Marshall, Gibson, Casio, Korg, etc., etc., etc. Et il a été un élément moteur, je pense, de l'importation. Et à un moment donné, je suis devenu démonstrateur Fender, donc il y a très longtemps, et j'ai commencé à faire des salons de la musique, tout simplement. Et le dernier salon de la musique, en 2010, j'ai fêté mes 30 ans. Donc 30 années de salon de la musique, c'est quand même beaucoup. Et en suivant, donc, la marque Fender. Et cette histoire aussi, Gaffarel Music. Et ça, c'est pour ça que je voulais le tenir, parce que c'est un monsieur qui m'a, je dirais, quelque part beaucoup apporté, comme il a beaucoup apporté à tous les musiciens en France et ailleurs, parce qu'il a amené des marques qui était évidemment pas trop connu à l'époque, et il a développé ça par le biais du commerce, des magasins, et il a aussi aidé beaucoup de gens dans le monde, donc de la vente des instruments. Parce qu'il y a toute une histoire, un historique. C'est pour ça qu'à chaque fois que je peux, je lui rends hommage, parce que bon, je pense que la première Strat que j'ai eue, effectivement, bon, même si c'est mon père qui me l'a offert, M. Raymond Rapin, c'est en 73, j'ai une Strat blanche. Pourquoi ? Parce que Jimmy Hendrix, tout simplement. Parce que j'adorais Jimmy. Et je l'adore toujours, bien évidemment. Et c'est toute une histoire. Donc la musique, c'est pas simplement 5 minutes dans une vie ou quelques heures à jouer. C'est du temps, le temps qui passe. Et après, donc au salon de la musique, et effectivement dans les couloirs, dans les magasins aussi à Pigalle, j'ai rencontré des gens. En l'occurrence, c'était un magasin qui s'appelait Effect Center, et des gens qui ont développé, qui se sont appelés après Feeling Distribution, et qui ont amené une marque, en l'occurrence celle-ci, qui s'appelle Cor. Bon, certains l'appellent Coche. Moi, je trouve pas ça très élégant, donc je préfère Cor. C'est très typique de Rennes, ça, je crois. Voilà. Donc, c'est une marque d'ampli hollandais, et ils m'ont demandé de faire la démo, parce qu'effectivement, la donne avait changé avec Fender à l'époque. C'était parti sur le Fender France. J'avais fait beaucoup de tournées dans toute la France pour eux. Puis après, ça a changé, évidemment, d'optique commerciale. Et les démos sont arrêtées. Et donc, ils m'ont fait essayer cet ampli. Et j'ai trouvé ça super parce que c'est un ampli qu'à ça. Alors, je vais pouvoir vous faire la démo, là, comme au salon. Mais bon, tout lent. Une mini démo, peut-être. Voilà, un 20 watts. Et il a une capacité, je pense, de son. Pour un petit gabarit. En plus, il a un son. Hein. Et ce petit machin, très léger, pratique à transporter. On n'a pas besoin d'être deux pour le mettre dans la voiture, quand on a une voiture.
Je l'ai même transporté dans une énorme valise dans toutes les gares de France quand je me trimballais tout seul pour jouer à droite à gauche. Il marche bien. Il est d'un budget tout à fait honorable par rapport à ses capacités. Il a une connectique à l'arrière, alors, ça y est, ça fait ma démo, qui est exemplaire. Et surtout, c'est un ampli très très solide. Moi, je l'ai depuis maintenant longtemps, parce que j'ai commencé en 2006, je crois, pour Feeling. Et ils m'en ont donné un. Et c'est pas celui qui est ici, hein. Celui-ci est neuf, donc il est dans le magasin. Et donc, cet ampli, je ne l'ai jamais fait réviser, il marche toujours. Et je trouve que c'est super parce que c'est le format idéal. Bon, j'ai eu, comme tout le monde, à 25 ans, un 53 corps Marshall. C'est plus compliqué, en fin de compte, de transport. Et maintenant, bon, avec le temps aidant, la scoliose aussi, je trouve que c'est bien. C'est un super ampli qui est assez, je dirais, polyvalent. Et surtout qui a une réponse. Parce que vous soyez là, c'est vrai. Ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est l'ampli que j'utilise quotidiennement, je dirais, ou surtout en live, hein, en fonction des endroits où on va, parce que des fois, on a des endroits où on nous loue des amplis, parce que c'est plus facile de trouver d'autres marques que des corps, évidemment, en location. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être, sur le matos, sur peut-être des plans ou des techniques de guitare? Est-ce que quelqu'un voudrait creuser un peu le sujet? Bonsoir. Une petite question pour Fred. Je t'ai vu jouer sur différents styles d'ampli, notamment du Lanet, Blackstar, j'ai vu, et Avox. Est-ce que tu es toujours à la recherche d'un son particulier ou tu l'as trouvé? Et une deuxième question, tu joues avec trois pédales, c'est tout. Est-ce que c'est toujours les mêmes que tu utilises ou en fonction des amplis que tu utilises, tu les changes? Alors, pour ce qui est des amplis, les amplis, ça n'a pas une énorme importance. Ce qu'il faut, c'est que ça soit à lampe, un ampli à lampe qui soit plutôt puissant quand même, et qu'à la base, il ait un bon son clair et une bonne réverb. Voilà ce que je demande à un ampli. Un ampli assez puissant, un beau son clair de base et une réverb qui fonctionne. Après, je ne vois pas d'énorme différence entre Fender, Vox, Blackstar, puisque moi, je pars d'une base qui est très simple, c'est le son clair. Là, il n'y a aucune pédale d'enclencher, là. Déjà, la pédale de droite, c'est juste un accordeur, quoi. Donc, j'utilise deux pédales, j'en parlerai juste après. Mais le son de base, c'est-à-dire si je branche ma guitare direct dans l'ampli, c'est ça, son clair. Voilà, donc beau son clair, assez puissant, réverb. Vous voyez, encore une fois, en fonction du micro que j'utilise, c'est différent. Hein. Voilà, ça c'est mon son de base. Après, en général, j'utilise une pédale, quasiment tout le temps une seule pédale qui va être un overdrive. En l'occurrence, là, j'aime ces pédales-là qui sont les Boss OD3. C'est-à-dire que le drive est à peu près à la moitié. Moi, je ne joue pas vraiment saturé, d'accord? J'aime que la pédale, elle vienne salir un petit peu le son, grossir un petit peu le son, ce qui va me donner un peu plus de sustain en lead, en solo. Voilà, c'est-à-dire que son clair, j'enclenche la pédale, et voilà. D'accord? Après, si je veux retrouver un son clair, je j'enlève pas la pédale. Après, je fais tout au volume de la guitare, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça marche aussi, hein. Je
Mais j'aime ce côté un petit peu plus sale quand même que la guitare directe dans l'ampli, quoi. Et après, voilà, moi, c'est ma méthode. Moi, je détiens pas du tout la vérité, mais c'est ma méthode en tout cas. C'est vraiment tout dans le volume, j'insiste là-dessus, c'est vraiment tout dans le volume de la guitare, plus ou moins fort, et dans l'attaque. D'accord ? Après, si je veux que ça devienne plus rock'n'roll, je vais mettre le volume à fond, la pédale enclenchée, et là, je... Mais c'est pas saturé, c'est pas très saturé, quoi. Vous voyez, ça va jamais, je joue jamais plus saturé que ça, en fait. Hein. Mais Angus Young non plus. Hein. Voilà, hein. Il joue peut-être un poil plus, mais pas beaucoup, quoi. Et voilà, moi c'est en tout cas ma méthode. Il m'arrive éventuellement, si je veux une note avec un gros sustain, d'enclencher la deuxième qui est la même. C'est la même. Et là, j'aurai encore un petit poil plus de boost. Mais c'est pas non plus Eddie Van Halen ou Iron Maiden, quoi. C'est pas très saturé, quoi. Mais c'est très rare que je fasse ça. Après, voilà, j'insiste là-dessus, mais je vais tout faire au volume de la guitare. Ça dépend comment j'attaque, hein, main droite, hein. Baisser le volume et la pédale est enclenchée. Si je monte le volume, c'est vraiment ma méthode. Non, non, non. Je pars toujours de la base du son clair de l'ampli. Voilà, son clair de l'ampli. Alors c'est à 90% cette pédale là. Boss au D3, mais il y a la Boost Breaker. Mais encore une fois, moi je suis resté. Je suis resté scotché sur les pédales il y a 30 ans, 40 ans, 20, 25 ans, quoi. Et il y a plein de nouvelles pédales qui sont très bien, qui font l'affaire. Mais je me suis rendu compte que je peux utiliser 10 pédales différentes, j'aurai toujours à peu près le même son. Parce que c'est ma manière d'attaquer qui donne ce son beaucoup, quoi. Voilà. J'aurai plus ou moins le même son, quoi, mais voilà. Donc en tout cas, c'est ma méthode. Il m'arrive d'utiliser un petit peu de délai, une bosse aussi, je sais plus, REV, je sais plus quoi, enfin la pédale standard. La DD6 peut-être, ou... Voilà, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est tout, hein. C'est tout. Hein. Vraiment, c'est très simple, très simple. J'aime qu'on reconnaisse le son de la guitare. J'aime qu'on sache, sans la voir, si c'est une Telecaster, une Stratocaster, une Les Paul, une Gretsch. J'aime ça. J'aime pas surcharger en effet, j'aime pas surcharger en overdrive, en saturation. Voilà. Voilà. Après, c'est vraiment en fonction de ce que tu fais de la guitare. Voilà. Vous voyez, ça dépend de l'attaque. Hein. Mon son, je le sculpte là, ici. Je le sculpte pas en faisant des claquettes sur les pédales. Voilà. Ok, merci beaucoup Fred, super. Et pour terminer, est-ce que vous seriez d'accord pour nous montrer tous les deux un petit plan de votre choix, quelque chose qu'on puisse tous appliquer en rentrant à la maison, qui représente un peu votre style? Vraiment ce que vous voulez, une petite phrase sympa qu'on va pouvoir intégrer facilement dans notre jeu de guitare. Excusez-moi, j'ai un reste de grippe, je ne vais pas me lâcher. Simplement, un exercice, si vous voulez essayer de bosser un petit truc
en vous disant bon, ok, je vais essayer de retenir ne serait-ce qu'une chose de ce qu'il a dit, ce garçon. Essayez de bosser ça, une rythmique toute simple, essayez de la bosser au médiator, uniquement en doigt et en mélangeant les deux. C'est-à-dire. Par exemple, tout simple. Hein. Là, c'est tout médiator. Et après, dites-vous, ok, je vais faire la même chose, mais au pouce. Juste pour vous faire prendre conscience que le son, il change énormément, quoi. Après, dites-vous, essayez de faire médiator plus le majeur. Différent, vous voyez, et aussi tout au doigt en slapant comme je fais souvent. Vous voyez, ça change. Voilà, juste pour vous faire prendre conscience qu'on peut changer le son rien qu'à. Avec les, selon les doigts qu'on utilise, quoi, ou le médiator. Voilà, tout simple. Super, merci beaucoup, Fred. Jean-Claude. Merci. Merci beaucoup. Fred a raison, parce que bon, je pense que même parler de soloing, c'est bien parler de rythmique. Moi, simplement, peut-être dans le côté un peu groovy ou funk, partir d'un accord. De septième avec une petite neuvième, et après ramener des variations à l'intérieur. Je pense que c'est important, surtout d'essayer d'être dans le temps et autour d'une position qui est très simple, en l'occurrence cette position-là, de mi-7-9. Vous allez voir, on peut faire pas mal de choses. Peut-être même les tablatures si vous êtes seul. Les intervalles, on se rend compte que ça va être le bordel quand même. Après, je mélange tout simplement, je fais des doubles notes. Et je ferai des intervalles. Parce que ce que l'on peut faire comme ça, on peut le faire aussi. Et c'est là, ça. Tout simplement. Voilà. Facile. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. On en a pris plein les yeux et plein les oreilles. Et voilà, malheureusement c'est déjà terminé. Je peux vous dire que j'avais encore des tonnes de questions à leur poser, mais bon, il faut savoir s'arrêter. Ensuite, on a eu droit à un concert de folie pendant plus d'une heure, où Fred a repris pas mal des titres de son dernier album, et on a eu droit aussi à quelques reprises vraiment mythiques, notamment Hey Joe de Jimi Hendrix pour finir le show, c'était magistral. Du coup, si on peut faire un petit bilan de tout ce que Fred et Jean-Claude nous ont expliqué, c'est qu'il faut vraiment prioriser le son par rapport à la technique, même si ici on a affaire à deux bêtes de course au niveau de la guitare,
On sent qu'ils ont vraiment une approche très musicale de l'instrument et qui privilégie vraiment le toucher, la recherche d'ambiance plutôt que la technique pure. Il faut vraiment comprendre que la technique vient au service de la musique et pas l'inverse. La deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on a tous tendance à faire un peu la course aux effets pour améliorer le son de notre guitare. Et je peux vous dire que quand vous êtes à côté de Jean-Claude et de Fred, et que vous les voyez sortir des sons aussi dingues avec juste une pédale d'overdrive, et ben ça calme. Donc je pense que ça c'est un axe qu'on peut tous travailler, et moi le premier, essayer vraiment de revenir aux fondamentaux, au son de la guitare, puisque c'est vraiment là que tout se passe, et que de rajouter des effets et des artifices va pas forcément nous aider à vraiment progresser. Enfin, le dernier point que je voulais rappeler, parce qu'il me semble vraiment essentiel, c'est d'oser explorer. D'essayer de sortir un petit peu de toute la théorie, des positions, des gammes et des tonalités, et juste de se laisser aller sur sa guitare. Avoir un côté instinctif, dont parle très bien Jean-Claude, qui va aussi vous permettre de développer un petit peu votre rapport à la musique, et c'est ce qui va vous aider aussi à enrichir votre vocabulaire guitaristique. Je tiens à remercier très chaleureusement Jean-Claude et Fred pour leur accueil, leur gentillesse et tous leurs conseils. Je peux vous dire qu'ils ont vraiment été super sympas avec moi. J'avais jamais fait cet exercice, alors que ça fait des années qu'ils se font interviewer par tous les plus grands magazines de guitare. J'en menais pas large, mais ils sont restés très simples et très accessibles. Ça prouve vraiment que ce sont des grands messieurs, et je les remercie pour ça. Je vous invite évidemment à suivre leurs actualités. Vous avez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Les albums de Fred sont en vente sur son site. Et Jean-Claude est en train de plancher sur son prochain album, donc ça vaut le coup de suivre ça de très près. J'espère que tous ces conseils de grand luxe vont vous permettre d'améliorer votre jeu de guitare. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao !I ain't got no big name. Oh,